Quelle est votre position sur la publicité qu'a publiée l'UDC qui faisait référence à la racaille d'Annemasse? Alors écoutez, nous l'avons exprimé aujourd'hui par une déclaration. C'est évidemment consternant de voir des choses comme ça. Les amalgames qui sont faits entre France, criminalité, une ville précise et criminalité ne sont pas acceptables. Nous avons répété notre volonté de poursuivre la construction de l'agglomération transfrontalière en bonne entente avec les différentes autorités françaises. Et donc nous avons évidemment condamné, comme on avait déjà eu l'occasion de le faire à chaud lundi, cette publicité qui montrait sans doute le désarroi d'un parti débordé sur une problématique particulière de xénophobie par un autre parti. Et est-ce que vous pensez que cette fois-ci, Soli Pardo a dépassé les bornes? Est-ce qu'on peut parler de dérapage? C'est à l'évidence un dérapage. Les campagnes ont souvent des dérapages, mais celui-ci vient après l'affaire des Paxés, un fécond, hein, si vous vous rappelez, qui était une autre affiche que l'UDC, d'ailleurs, que la députation UDC avait regrettée, en fait, hein, tellement elle était extrême. Donc ce parti, il faut quand même le dire, s'est construit sur des affiches de style mouton noir, sur des affiches qui vous montrent toujours l'étranger comme étant un criminel, hein, alors même que 50% des gens qui travaillent ici sont des étrangers, 50% des gens qui travaillent. Et ben voilà, périodiquement, quand on joue avec le feu, on me fait un incendie, c'est ce qu'ils ont fait cette fois. Mais pour l'heure, nous en sommes restés à ces, ce qui est une autre question, à ces grands dérapages verbaux et écrit, hein, puisque c'est surtout les bus aussi, contre les gens qui viennent tous les matins travailler ici, et sans lesquels, je le rappelle, on ne serait pas soigné efficacement à l'hôpital, certains secteurs horlogers auraient délocalisé, parce qu'ils n'auraient pas trouvé la main-d'œuvre, et nous aurions également beaucoup de peine dans des secteurs en forte expansion, notamment le négoce international, où il y a des capacités assez fortes à trouver, des profils assez pointus. Là encore, ces gens viennent ici s'ils trouvent les gens qui peuvent travailler. Et il est impossible que même la Suisse romande puisse donner autant de spécialistes que demandés par ces entreprises. Mais c'est notre prospérité à tous qui est en cause. Et en plus, je veux dire, nous partageons tant de choses avec nos voisins français. Nous avons un tel avenir comme agglomération parmi les plus favorisées du monde, parmi les plus appréciées du monde, que la briser juste pour gagner les élections, et en jouant sur des ressentis et des frustrations, c'est définitivement inacceptable. Est-ce que vous soutenez l'action du maire d'Annemasse, justement, qui a décidé de porter plainte contre le parti? Soutenir, ce n'est pas le cas, puisqu'au fond, nous ne sommes pas partis à la procédure, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que nous comprenions qu'il ait voulu dire « ça suffit, on ne peut pas insulter les habitantes et les habitants de ma ville comme ça, sans que je dise rien ». Donc nous comprenons très bien qu'il ait déclenché cette procédure. Maintenant, ça c'est la démocratie, c'est les tribunaux qui tranchent et pas le Conseil d'État.